comme on change quand on aime. On se trouve ni un autre, ni le même. On me parle, je n'écoute pas, je regarde du côté de chez toi. Comme on change, j'étais triste et je chante. J'étais calme et mes rêves s'impatientent. Si le monde à mes yeux brille encore, c'est que je t'aime, c'est que je n'aime que toi. Comme on change quand on aime. Comme on change quand on aime. On me parle, je n'écoute pas, je regarde du côté de chez toi. Je n'écoute pas, je regarde du côté de chez toi. Et tout change, tout s'arrange, tout s'éclaire. Tu me donnes, après l'ombre, la lumière. Si le monde à mes yeux brille encore, c'est que je t'aime, c'est que je t'aime plus fort. Merci. Merci. On m'a souvent demandé est-ce que vous n'en avez pas assez de prendre la personnalité des autres, et est-ce que vous n'avez pas envie un jour de trouver la vôtre? Je crois que j'imite les gens avec ma personnalité, tandis que des imitateurs, il y en a beaucoup. Je ne suis pas tout seul. Il y a Daniel Alexandre, Yves Lecoq, Jean Courtil, Jean Valton, Jean-Pierre Denis, Jean Raymond, André Aubert, etc. Robert Junot. Il y en a vraiment beaucoup d'imitateurs. D'ailleurs, ils font toujours du succès où ils passent, parce que c'est un genre qui amuse les gens et qui leur plaît. Mais je crois que chacun imite un personnage d'une façon différente, avec sa personnalité. Et moi, je crois que c'est pas un personnage qui prend ma personnalité, je crois que c'est moi qui lui donne la mienne, finalement, au travers de la sienne. L'imitation, c'est un don, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Je suis toujours étonné d'entendre parfois certains de mes confrères qui, par de savants calculs, disent « Moi, j'obtiens la voix de Funès avec un mélange de Bourvil et de Darry Cole. Moi, ça, je ne sais pas le faire. Ou je sais imiter quelqu'un, ou je ne sais pas, mais c'est naturel et ça s'arrête à ça. Ceci dit, il y a des gens que je ne savais pas imiter puis que je sais faire maintenant. Quand j'imite quelqu'un, il faut vraiment que je sache le faire tout de suite. Parce que si ça représente un travail, si ça représente une contrariété, enfin vraiment que ça représente une contrainte, quelque chose que je n'arrive pas à faire, j'abandonne. C'est pas par défaitisme, mais c'est parce que si je crois que toute l'ambiance de mon spectacle est basée justement sur le naturel. Et si à un moment je fais quelqu'un, mais d'une façon gênée, d'une façon contrariée et anxieuse, je crois que le public s'en rendra compte. Et j'y tire du tout. Merde alors ! J'ai envie d'être le plus libre possible. Et c'est un métier qui le permet. J'ai pas de contraintes, j'ai pas de patron au-dessus de moi. Et
je peux faire tout ce qu'il m'est possible de faire. Donc ça, c'est formidable. C'est un métier qui permet ça. C'est pour ça que je l'aime tellement, d'ailleurs. Je n'ai pas l'impression d'avoir des contraintes. En fait, j'en ai. La principale, c'est le public. Quand je me promène dans la rue, je ne mets pas de lunettes noires. Je me balade comme tout le monde. Et je crois que c'est une question de conditionnement. Il y a des gens dans ce métier qui ont le culte du star system, ce qui n'est pas mon cas. Et ils provoquent les gens, finalement. Quand vous baladez dans la rue avec des lunettes noires, les gens se retournent en disant « Mais pourquoi ce monsieur a des lunettes noires ?»« Ah, mais qui se cache derrière ?» C'est Claude François, cette Johnny Hallyday. Bon, moi, c'est pas ça, j'ai pas de lunettes noires. Alors, où on me reconnaît, à ce moment-là, les gens sont contents de me reconnaître et me font sourire. On me reconnaît pas parce que je passe comme ça, inaperçu. Camarades du trône, le Parti communiste français entend par diverses mesures choisir dimanche après-midi le cheval qui devra gagner. Vous savez qu'être propriétaire, c'est être un voleur, mais comme c'est notre ami Berzniansky aujourd'hui, avec Monkis le 14, eh bien, au nom du Parti communiste français, des classes laborieuses opprimées par le capitaliste impérialiste envahissant, eh bien, je lui souhaite d'arriver Monkis le 14. Voilà quel sera mon pronostic. C'est un bon choix, Léon. Eh bien, c'est un choix qui n'est pas mauvais. Je pense que le président Jacques Duclos a l'air de s'y connaître suffisamment aux courses pour avoir choisi un cheval qui a une bonne chance de terminer dans les trois ou quatre premiers. François Mitterrand s'intéresse également aux courses de cheval. Mais oui, d'abord, cher Drucker. D'ailleurs, moi, je dirais que je vais choisir Lucky Boy. C'est pas Lucky Boy qui le numéro 2. Absolument, vous pourriez, mais c'est vrai. Et dans le fond, Lucky Boy, bien, vous savez, c'est un peu moi. J'étais le garçon qui a de la chance. Et pour la course électorale, eh bien, je souhaite, comme à Lucky Boy, d'arriver comme moi, c'est-à-dire premier. Absolument. Eh bien, monsieur le secrétaire général, c'est très aimable à vous d'avoir quitté un grand hôtel du côté de la Porte Maillot où vous avez deux journées de travail extrêmement intéressantes pour vous occuper pendant un instant des courses. Je dois vous dire que Lucky Boy a très mal couru la dernière fois, mais que son entourage, sa propriétaire, me disait qu'aujourd'hui, vraisemblablement par terrain raffermi, il courrait mieux. Merci, Léon. Notre ministre des Finances s'intéresse également au tiercé. Eh bien, à dire vrai... À vrai dire, même mon cher Léon Zitrone, même Léon pas peur des mots, eh bien, je vous dirais que de toutes les façons, je ne ferai pas de pronostic. Pour la simple et unique raison, d'ailleurs, c'est que je suis toujours gagnant, puisque je prélève 50% des recettes des courses, comme vous le savez, hein, peut-être un peu plus encore. Finalement, on m'appelle même le Lederman du tiercé, voilà. Alors, je ne ferai pas de pronostic, et je vous laisserai plutôt à vous, qui êtes un spécialiste, soit de le faire, mon cher Zitrone. Faut préciser que eh bien, mon cher ministre des Finances, mon cher Valéry Giscard d'Estaing, d'abord, 50%, ça me paraît beaucoup. 27 ou 28, ça me paraît déjà suffisant, c'est la limite extrême. Et puisque vous prélevez, comme vous dites, pour l'État, un certain pourcentage sur les paris engagés par les parieurs, au moins, cher monsieur le ministre, que vous connaissiez les résultats des premières courses. La première a été gagnée par Valentine, le 7, devant le 13, Saint-Étienne, 3e, Red Square. La deuxième a été gagnée par Jojo, la Terreur, devant Yori Thomas et le 7 Rossas, et la troisième vient d'être gagnée par Sarmoun à 20 contre 1, deuxième Harper et troisième Canarino. Bien. Voilà, mon cher ministre. Bien, Léon, un dernier choix, celui de Jacques Chaban-Delmas, c'est évident. Chers amis, de toutes les façons, rassurez-vous, si vous me voyez ce soir, cet après-midi, ce n'est qu'un au revoir. Mais j'aimerais, mon cher Zitrone, vous dire combien... Je suis heureux d'être avec mes amis Boniface et Gachassin. Moi, fidèle partisan du rugby, mais aussi fidèle partisan du tiercé. Ça oui. D'ailleurs, mon choix s'élèvera sur Prince Boom, qui est entraîné par un propriétaire qui mène avec son nom un peu une carrière comme la mienne, puisqu'il s'appelle Le Lièvre. Et je suis tout à fait certain, au nom de l'ex-gouvernement, au nom personnel de sa réussite, j'appellerai mon cher Drucker, si vous me le permettez. Alors permettez-le-moi. Eh bien, que Prince Boom est le numéro 16. Alors, bonne chance!
Topalov, Moscovite libérée, je voudrais savoir si entente avec camarade Marché, c'est toujours l'amour, hein? Bien, 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 mon cher Topalov, vraiment, vraiment, je peux vous rassurer tout de suite, ça ne peut pas aller mieux que les fois précédentes, puisque, dans ça, bref, il ne faut pas l'oublier, à la 28e tentative du nom de la gauche, et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une 29e, n'est-ce pas? Alors, ainsi de suite, donc, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres questions, M. Carlos, je crois. Oui, bonjour, monsieur le président, monsieur Carlos, rédacteur en chef des émissions de la veste de la chaîne hôtelière belge, hein, un peu spécialiste aussi des cantines, de la choucroute et des saucisses. Hein. Alors, je voudrais, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si dans votre menu, n'est-ce pas, de l'Union de la gauche, vous prévoyez, n'est-ce pas, un repas supplémentaire, hein, une fois? Eh bien, si j'ai bien compris votre question, vous savez, mon cher Carlos, la cuisine politique est assez préoccupante pour que j'évite de me pencher sur la gastronomie. Les Français mangent trop. Vous pesez vous-même 175 kilos, enfin, si j'en crois les derniers sondages, et croyez-moi, la France a plutôt besoin de stades pour écouler son excédent de boostify. C'est pour ça que je construirais plutôt des stades plutôt que de donner dans le menu de l'Union de la gauche un plat supplémentaire. Voilà. Vous avez d'autres questions, je crois, M. Chardin? Oui, Chardin et Stone, délégué aux allocations familiales. Merci. Pourrait-on savoir si vous allez verser des allocations supplémentaires aux familles de plus de 45 enfants? Oui, c'est pour savoir si on doit continuer. Eh bien, il n'y a pas longtemps, le ministre de la Défense nationale a dit, vraiment, il faut faire des enfants, je cite, sur une grande échelle. Eh bien, j'ai moi-même essayé, je suis resté 8 mois à l'hôpital. Alors, prudence. Prudent. Je crois qu'il y a d'autres questions posées par M. Carlos, toujours. C'est M. Carlos, je crois, d'abord, oui. Alors, monsieur le président, voilà, je voudrais savoir, si c'est possible, si la fameuse autoroute que vous avez ouverte récemment, là, si vous le pensez le prolonger jusqu'à la gare de Perpignan, le centre du monde. Bien, bien, bravo, je vous félicite pour votre invitation. Pas tard. Pas de tort, bah. Et je dirais que je ne vous promets pas d'autoroute maintenant pour vous les Belges pour descendre jusqu'à Perpignan dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Mais je vous promets, par contre, puisque tous les Français et tous les Belges se déplacent maintenant à bicyclette, bien, je vous promets un splendide vélodrome et sur lequel j'aurai plaisir à voir évoluer. Parce que, quand même, il faut avouer que vos jambes ont conquis tout le sud-ouest, depuis surtout que Brigitte Bardot a camouflé les siennes à Boulogne-sur-Mer. Et. De toute façon, vous n'aurez pas d'autoroute, mais un vélodrome. Voilà, une autre question, M. Guy Mardel, je crois. Mardel Guy, président de l'Association des personnes âgées. Voici ma question, M. le Président. Que pensez-vous de la retraite à 40 ans? Eh bien, je dirais... Qu'est-ce que vous pouvez-vous me dire? Je dirais que, en ce qui me concerne, notamment, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour la retraite à 40 ans pour ce qui me concerne. Mais, par contre, pour mes adversaires, je suis même pour la retraite à 19 ans, n'est-ce pas? Car enfin, je serai élu à la présidence de la République, mais ne rêvons pas, D'autres questions, je crois, monsieur. Oui, monsieur le Président, c'est le réveil des Cévennes. Alors, monsieur le Président, dans l'éventualité d'une victoire de la gauche, est-ce que l'armée libérera le Larzac? Je voudrais bien le savoir. C'est une bonne question, hein. Bien, mon cher C. Jérôme, Christian Jérôme, Charles Jérôme, je ne sais pas. Bien, je pense qu'il n'est pas question, pour l'instant en tout cas, que l'armée française libère le Larzac, car l'armée française a besoin de pâturage pour s'entraîner contre les brebis. Et quand l'armée française aura envahi la France entière, eh bien, à ce moment-là, la guerre sera finie. Nous aurons gagné la guerre du Larzac. Voilà. D'autres questions maintenant? Oui, Stone de l'hebdomadaire A les femmes. Monsieur Mitterrand, que pensez-vous de l'union libre?
Bien, alors là, ne parlez pas surtout du Nior devant moi, car vous n'êtes pas sans savoir, si vous ne savez pas, je vous dis comme ça, vous saurez. Bien, qu'en ce qui me concerne, je peux dire, hélas, pour l'Union de la gauche, car l'Union de la gauche fait la force de l'Union de la droite, et je préférerais que nous passions, par exemple, à une autre question. Vous avez une autre question? Notre question? Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Non, non, c'est fini. C'est terminé. C'est fini. Ah, pardon, excusez-moi, le téléphone a sonné. Bien, bonjour, mon cher Thierry Luron, et bon dimanche. C'est le président Pompidou. Je regarde actuellement votre émission, car je n'ai rien à faire à cette heure-ci. Bravo pour tout ce que vous dites, bravo pour tout ce que vous ne dites pas, bravo pour Robot et Moggy qui font bien rire mon épouse. Il faut dire aussi qu'il n'y a rien à faire rire. Alors de rien, vous pensez? Mais dites-moi, vous brocardez Giscard d'Estaing, vous moquez d'Edgar Faure, vous imitez Mitterrand, vous ressuscitez Chaban-Delmas. Alors, et moi, hein? Qu'est-ce que je vous ai fait? J'ose croire qu'à l'avenir j'entendrai parler de moi grâce à vous, auquel cas on entendra parler de vous grâce à moi. Bien. Eh bien, ladies and gentlemen, I wish you an happy birthday and please do not lean out of the window. My dear friends, my dear Bernard Lyon, I hope you and I hope you call to me. Ici, vous êtes sur une chaîne française. Ah, pardon, excusez-moi. Eh bien, français, je vous remercie pour votre choix. Il y avait un choix à faire, vous aviez l'embarras du choix, et ce choix a été fait à partir d'autres choix. Eh bien maintenant, autrement dit, vous n'avez plus le choix. Alors maintenant, eh bien je voudrais m'adresser à M. François Mitterrand. Le choix que j'ai fait à l'occasion de ce débat est un choix fraternel, et je voudrais lancer une affirmation audacieuse ce soir. François Mitterrand, je voudrais vous passer de la pommade. Je dirais que vous êtes beau et je vous en prie, vous pouvez répondre. Viens, monsieur Giscard d'Estaing, monsieur le président. C'est vrai. Je suis beau, mais enfin... N'exagérons pas, n'est-ce pas? Je ne suis pas aussi beau qu'Arlette Laguillé, n'est-ce pas? Eh bien, Française, Français, jeunes, chers frères, chères sœurs, rapatriés, émigrés, naturalisés, j'espère que j'oublie personne, merci. Il y avait un choix à faire, ce choix a été fait par rapport à d'autres choix. Et comme on dit en Auvergne, eh bien, du moment qu'on a sa conscience pour choix, le choix que vous avez fait est le bon choix. Voilà. J'ai amené ici plusieurs dossiers, car je voudrais remercier plusieurs personnes et parler d'elles, notamment de Jean Royer, avec la déculottée qu'il a prise aux élections. Eh bien, on m'a dit qu'il n'avait pas digéré la pilule. Alors que véritablement, il s'était affirmé comme le candidat du sexe. Vous savez d'ailleurs que la pilule est interdite à Tours, veux-je dire, puisque Jean Royer est le maire, puisqu'il suffit de mettre le portrait de Jean Royer au-dessus du lit conjugal, et alors là, ça limite les naissances automatiquement, n'est-ce pas? Vous m'avez suivi, bien. Alors, je voudrais également vous parler des promesses que j'ai faites. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que les inquiets se rassurent, que les anxieux soient apaisés, ces promesses, je continuerai à les faire. J'ai promis la retraite à 65 ans, notamment. Eh bien, c'est normal, quand on a travaillé jusqu'à 60 ans, on peut bien attendre encore un peu. Et je connais également bon nombre de personnes âgées qui...
en quelque sorte, eh bien, on aurait voulu que la campagne électorale dure plus longtemps, puisque tous les jours, on augmentait la prime de 100 francs. Après ceci, eh bien, je voudrais quand même vous parler de la crise de l'RTF, car finalement, cher Guilux, je vous remercie de m'avoir fait venir, car finalement, en vérité, c'était pour ça que j'étais venu, véritablement. L'RTF, par son rayonnement, par son enrichissement culturel, eh bien, doit sortir de cette crise et personnellement, eh bien, avec le gouvernement, je ferai tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est en mon pouvoir. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de confier certaines présentations d'émissions à des personnalités politiques de la minorité et de la majorité. Vous savez qu'on n'est plus l'opposition, on dit maintenant la minorité. Il faut dire qu'ils ont eu presque 50% des voix, alors vraiment. Alors voilà, Chaban, par exemple, présentera La Roue Tourne. Chirac, Titi et Gros Minet, une émission chère à Guy Lux. Fourcade, le ministre des Finances, le Schmilblick, s'il se retrouve dans les comptes que je lui ai laissés, il aura de la veine. Jean Le Canuet, sérieux s'abstenir. Michel Poniatowski, flipper, le dauphin. André Malraux, chef-d'œuvre en péril. Madame Mesmer, la France défigurée. Et François Mitterrand, les bonnes adresses du passé. Voilà, d'ailleurs, écoutez, mon cher Mitterrand, eh bien, il faut que nous nous réconcilions. En un mot, soyons potes. Alors voilà, on va être potes. Bien, ma chère Daniel Gilbert, au nom du gouvernement, mon nom personnel, je pensais vous faire une petite surprise en vous offrant ce soir une bourrée, enfin ce soir. Oui, enfin ce matin, c'est pas grave. Je me lève. Une bourrée auvergnate, mais très courte. Maestro, je vous en prie. Voilà, tout simplement, c'était le cadeau de la France. Et si vous me permettez, eh bien, j'aimerais quand même souhaiter une nouvelle fois mes voeux aux Françaises, aux Français. Et j'aimerais être particulièrement, leur souhaiter d'être nombreux à avoir la couleur pour admirer justement celle de Daniel Gilbert, ma petite copine de Clermont-Ferrand et de Chamalières. Ah oui, il ne faut pas se tromper. Alors voilà, je vous fais une bise au nom de la France. Oh, bah, très bien. Bah, deux, carrément. D'ailleurs, vous savez qu'en Auvergne, il y en a quatre. N'ayons pas peur des mots. Jo, Jo. Ouais. Qu'il vote oui ou non, qu'il vote noir ou blanc, qu'il ait fait la guerre ou bien la résistance, qu'il soit né à Tours ou à Draguignan, malheur à celui qui blesse littérant. Ne l'accablez pas, ne le tourmentez plus, car il n'a jamais cessé d'être battu. Malgré la défaite, il relève la tête, n'en profitez pas pour lui tirer dessus. Qu'il soit UDR ou indépendant, ou bien radical ou bien sans étiquette, qu'il soit gros ou maigre ou petit ou grand, malheur à celui qui blesse Mitterrand. Sans être de gauche, ni de droite, ni d'ailleurs, j'aime bien les gens qui, comme lui, ont du cœur. Et puisque sur terre, on est tous des frères, si j'étais sa femme, je serais sa sœur. Qu'il soit épicier ou représentant, fils de charcutier, petit-fils d'archevêque, qu'il ait mal aux pieds, qu'il ait mal aux dents, malheur à celui qui blesse Mitterrand. Je vous adore à tous. Monsieur Marchais, je suis heureux que finalement les Carpentiers aient organisé ce débat. Écoutez, encore un monopole, toujours la défense des monopoles. Non, Jean Gis, continuez votre question. Monsieur Marchais, les Françaises et les Français s'apercevront
Non, mais écoutez, je m'excuse, monsieur le chef du gouvernement provisoire, mais c'est un scandale. C'est un scandale, monsieur Barr. Ça fait des mois que je cours après ce débat. On invite le leader de l'opposition, parce que c'est pas Mitterrand, c'est moi, à la télévision, tous les années bissextiles, et quand j'arrive, on me dit de me taire. Alors quand est-ce qu'ils causent, le représentant des travailleurs monsieur et des Marchais, masses populaires? Monsieur Marchais, je vous en prie. Mais j'aimerais tout d'abord vous serrer la main. Mais il n'en est pas question, monsieur le Premier ministre. Non, je m'excuse. Vous ne me laissez pas terminer, monsieur Marchais. Bon, finissez votre phrase. J'aimerais vous serrer la main, car finalement, vous vous posez comme étant notre meilleur allié, monsieur Marchais. Oui, je le dis, vous êtes le leader de la désunion de la gauche. Écoutez, ça, c'est peut-être pas la peine de le crier sur les toits, monsieur. Bah, on peut peut-être s'arranger, faire la cuisine électorale en dehors de la télévision. Écoutez, monsieur Marchais, j'ai ici eu toute une série d'articles. J'en ai 15 kilos qui m'attendent encore. Et je m'aperçois que François Mitterrand et vous, d'après vos déclarations communes, vous êtes Caïn et Abel, les premiers frères ennemis, monsieur oui, Marchais. Alors écoutez, monsieur Barr, je vais vous dire, quand j'ai vu monsieur Giscard d'Estaing vous présenter aux travailleurs et aux smicards exploités sur les marches de l'Élysée, on savait qui c'était Laurel et qui c'était Hardy, monsieur Barr. Par conséquent, laissez tomber les comparaisons. Vous avez raison, monsieur Marchais, elle ne serait peut-être pas dans votre intérêt. Mais vous n'allez tout de même pas critiquer mon physique. Oh non, je m'en garderai bien. Parce que moi, je suis comme je suis, monsieur le Premier ministre. Je ne tromperai pas les travailleurs. J'irai jamais en consultation chez un chirurgien esthétique. Eh bien, vous avez raison, monsieur Marchais, ça vous évitera une grosse dépense, croyez-moi. Oui, écoutez, les travailleurs apprécieront. Bien. Les écoutez, travailleurs monsieur Marchais, d'abord, il y a une chose qui est très énervante. Finalement, c'est que vous parlez sans arrêt des travailleurs. Mais cessez de parler des travailleurs. Mais alors, mais écoutez, mais moi, je, alors, mais monsieur, mais alors, c'est un scandale. Mais monsieur le premier, c'est un scandale. La France, il n'y a que les travailleurs. Vous êtes le chef du gouvernement, vous ne voulez pas qu'on parle des travailleurs, mais de qui c'est qu'on va causer alors? Vous savez qui sont les travailleurs? Les travailleurs, monsieur Barr, prenez donc des notes là. Ils sont dans le noir de la hausse des prix et du chômage, monsieur Barr. Monsieur Marchais, vous parlez du noir, je pourrais vous parler du rouge. Ce serait comme Dostoïevski, que vous connaissez, j'espère. Oui, écoutez, c'est pas parce que vous avez lu les auteurs polonais qu'il faut nous donner des leçons de culturel, par conséquent, restons français. Bien, monsieur Marchais, il s'agirait quand même d'entrer dans ce débat maintenant. Bon, eh bien alors, dites donc qui vous êtes. Mais... Qui êtes-vous, monsieur Barr? Le meilleur économiste de France. Oui, mais ça, c'est l'Abel Giscard d'Estaing. Mais qui donc va voter pour vous aux élections? Mais, monsieur Marchais, la majorité des Français, je vous le dis en passant... Oui, alors, évidemment, c'est possible, mais si vous choisissez le triangle... J'ai fait une enquête. Le triangle qui vous réussit si bien dans les circonscriptions. Dauphine, La Muette, Passy, Foch. Votre triangle à quatre côtés, monsieur Marchais. Oh, mais vous savez, on lésine pas sur les moyens dans l'Union de la gauche. On n'est pas à une virgule près. Bon, et puis alors, monsieur Marchais, moi, il y a une chose que j'ai remarqué. Cela m'arrive de temps en temps. Je vous parlais de socialisme à visage humain. Où est-il? Ça vous choque? Mais écoutez, il suffit de vous regarder pour s'apercevoir que c'est pas pour demain. Non, mais ça, c'est encore un autre scandale antisocial, alors. Moi, j'avais demandé un débat plein de démocratie. Et on se retrouve sur un ring de boxe avec Écoutez, vous. Monsieur Marchais, c'est vous qui avez commencé. Non, c'est vous, monsieur Barr. C'est vous, monsieur Marchais. C'est vous, monsieur le Les Premier ministre. Les travailleurs sont témoins. Oui, c'est ben, vous, monsieur Barr. C'est vous, monsieur Barr. Et par-dessus le marché. Oh, écoutez, alors là, je m'excuse. Je ne peux pas laisser passer ça, monsieur Barr. Excusez-moi. C'est profondément anticordial. Est-ce que moi, j'ai parlé des aventures du petit éléphant qui amuse tant les petits-enfants? Moi, je n'ai pas attaqué votre patronyme, monsieur Barr. Écoutez, monsieur Marchais, vous dites n'importe vous êtes... quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Vous êtes le passé et moi, je suis l'actuel. C'est vrai, d'ailleurs. Je vous trouve très punk. Écoutez, soyez polis. Soyez convenable. Il y a des travailleurs qui regardent la télévision.
Ce n'est pas grossier, c'est très à la mode. Vous êtes très in, monsieur Marcheux. Oui, écoutez, alors, vous parlez trop en étranger, je ne peux pas suivre. Par conséquent, au lieu de faire des anglicyclismes, vous feriez mieux de prendre votre carte du parti. Oh, il n'en est pas question. Mais vous avez tort, parce que c'est encore le meilleur moyen d'avoir un HLM, monsieur Barr. Vous savez que je reviens de Moscou, monsieur Marcheux. Oui, j'ai vu ça dans l'Humanité. Oui, ben j'ai une grosse bise à vous faire. De la part de qui? De Léonide. Bonsoir, monsieur Marcheux. Il a les cheveux plaqués, des lunettes sur le nez. C'est un grand garçon aux allures de dandy. Son complet bien coupé impose à la télé. Tout avec lui aimerait passer la nuit. Anémone L'Oréal, Madame Baron est folle. La camarade marchait le voit en secret, mais les plus enragés sont à la vérité. Les femmes de ceux qui votent à l'opposé, et quand il vient causer, tout est s'écrié. Ah, voilà, Cici Valentino, joli minois croqueur de bois content fleurette. Cici Valentino, toujours ton beurre bourreau de cœur, mais jamais de la jaquette. Partout elles font la fête quand il paraît, c'est vrai. À Lyon, Paris, Marseille ou Saint-Malo. Jacques Chirac. Mais tout le monde l'appelle Cici Valentino. Les électrices sont dingues de lui. Madame Berger, la femme du boulanger, fâchée avec Raymond pour une histoire de croissant. Mariti, la femme du notaire, qui votait pour Servan Schreiber et ne l'avait jamais trompé auparavant. Même la fiancée de Monsieur Motto, Yves Morosi, c'est vous dire tout de même, non? Et surtout moi, bien sûr, qui aimais bien Mitterrand depuis longtemps. Chichi, c'est toi? Chichi, laisse-moi te regarder dans le noir. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, Chichi? Hein? Que? Carter, il n'a pas voulu te voir? Et alors, mais qu'est-ce qu'il comprend cet Américain, à part le rock, le twist et les cacahuètes? Tu voulais t'en aller comme ça? En Amérique, peut-être. T'appeler Chichi l'Americano à Hollywood. Mais tu peux pas t'en aller comme ça, Chichi. Imbécile, va. Pour nous, tu es Jacques, Raymond, Valérie, Chirac et tu es Corésien. Ici, tu es le roi, tu es chez toi, Chichi. Tu les entends, c'est tes militants. Ils ont dû te reconnaître, Chichi. Cause pour eux, Chichi. T'es ou cause pour moi, qui n'ai jamais su chanter. Cause Chichi. Chichi, ta papa, voyons. Mais reviens. Viens voir les Giscardiens, voir les Chiraciens, voir les Marchésiens qui arrivent bien, voir ces comédiens, voir ces cabotins, voir ces turlupins. Les comédiens ont installé leur micro. Ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens vont frapper dans un moment. Trois coups pour leur mascarade et répètent leur boniment. Leur répertoire est bien connu des téléspectateurs. Pour la plupart, ce ne sont pas des enfants de cœur. Comme les curés, les putes et les pharmaciens, c'est par vocation qu'on est politicien. Viens voir les Valériens, voir les Jacobins, voir les Franciscains. Qui arrive bien voir ces comédiens, voir ces cabotins, voir ces turlupins. Qui salive les comédiens du programme trépassé, joue le cocu magnifique ou le mariage forcé. Les turlupins de Raymond Barre, le marmiton, vont se donner la réplique dans les gaietés d'Estragon. Selon les caprices de Marianne ou de Giscard, certains jouent le jeu de l'amour et du bazar. François Gentilhomme ou bien ses fourberies ou les mensonges d'Athalie, les comédiens. Viens voir les Giscardiens, voir les Chiraciens, voir les Marchésiens. Qui arrive bien voir ces comédiens, ces cabotins, ces turlupins qui salivent bien, bien, bien.
Gilles Vigneault est allé faire des courses au marché, au market, comme on dit chez lui. Et quand il a vu les prix, surtout pratiqués avant Noël, là, il a failli s'effondrer. Finalement, il en a fait une chanson que voici Gilles Vigneault. C'est un Québec, entre ici ce soir, c'est fort en vrai. I went to the market, mon petit panier sur mon bras. I went to the market, mon petit panier sur mon bras. Je me dis, tiens, je m'en vais faire des achats. Monsieur Barre nous l'a dit hier, les prix fous, ça n'existe pas. Monsieur Barre nous l'a dit hier, les prix fous, ça n'existe pas. Je voudrais pas des carottes, des navets, des avocats. Je voudrais pas de la lave, des côtelettes, des ananas. Ça coûte tant de pèse, vous vous foutez de moi. Monsieur Barr nous l'a dit hier, le plus fou, eh bien ça n'existe pas. Monsieur Barr nous l'a dit hier, le plus fou, ça n'existe pas. Allons qu'ici mon Raymond va ici faire tes achats. Allons qu'ici mon Raymond va ici et tu verras. Yvonne, la rue de Varennes, maison Raymond, ce que Monsieur Barre. C'est vrai, il faut le dire, je ne vous l'ai pas dit hier, il ne vous l'a pas dit hier. Le coup de barre, on ne lui pratique pas. Il faut que les Français le sachent. Également de vous dire, à la demande générale, et je ne voudrais faire de Le Pen à personne, eh bien, je m'attaquerai au problème. Mes chers camarades, vous avez devant vous les grands artisans de la victoire du 10 mai historique qui ont vu le départ à Giscard d'Estaing. Les diamants et un truc. On a presque remarqué que moi j'ai rien contre les petits cadeaux. Mais il faut que ça se voie récemment. Par exemple, moi j'ai une règle que j'applique périodiquement. Même si le temps passe, oh ben ça arrive. C'est monstrueux ce que j'aime dire. Il faut que ça soit des cadeaux que j'ai recevus uniquement dans les pays dans lesquels on vient. Comprenez? Je vous donne un exemple très simple. Je reviens d'Union soviétique. Ça, c'est facile, mais moi, j'ai un avantage sur les autres, c'est que je peux y aller, et surtout, je peux en sortir. Je suis ni juif, ni intellectuel. Pop, tampon, hop, dehors. Mais Brejnev m'a toujours refilé les spécialités soviétiques. Caviar, vodka, ticket d'alimentation, tout. L'année dernière, il m'a offert un lévrier afghanistanais. Il m'a dit, si tu veux, je te mets un berger polonais de côté, très affectueux, il lèche, lèche. J'ai dit, laisse tomber, avec air nu à la défense, j'aurai mon berger des Pyrénées dans moins de 5 ans. Bon, revenons aux Françaises et aux Français, aux moutons de Panurgue, qui ont voté pendant des années et des années pour la politique lamentable, déplorable, la politique à Giscard d'Estaing, cette politique qui allait à l'encontre des intérêts fondamentaux, des grands intérêts des travailleurs et des travailleuses. Je prends les téléspectateurs et tâteuses à témoin. Ans fut un jour extraordinaire, bien marqué d'une pierre
oui vraiment. L'Élysée prit pour 7 ans un drôle de locataire, un socialiste exemplaire, Mitterrand. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi? C'est la rose, l'emmerdant. Chante la rose, crois-moi. Ouais. Là, il y a un petit trou. J'ai pas répété. La rose nous pique au sang. La France est au goutte à goutte. Sans détente, coûte que coûte, pour longtemps. Ouais, à ce rythme, évidemment, c'est bientôt la banqueroute, car c'est déjà la déroute en chantant. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi? C'est la rose. L'emmerdant chante, c'est la rose, crois-moi. Ça détend. Ce soir à Champs-Élysées, c'est la fiesta. L'inflation, elle, c'est pas la joie. Le téléphone et l'essence en font foi. Moi, je dédie au président cette chanson, ce poème. En forme de requiem pour Chétain. Ouais, l'emmerdant. C'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi? C'est la rose, l'emmerdant. Allons-y. C'est la rose, l'emmerdant. Ça remplace un référendum, ça on continue. L'emmerdant. C'est la rose, l'emmerdant. C'est la ben tout le monde est d'accord, c'est la rose, crois-moi. Ouais, encore une fois, l'emmerdant, c'est la rose. Salut, merci, à bientôt, je reviendrai. Alors je me présente, je m'appelle Glandu, ça vous le savez. Mon premier prénom, c'est Adolphe. C'est joli, Adolphe, hein? Mon deuxième prénom, c'est Benito, comme le démocrate italien. Adolphe Benito. Comment vouliez-vous que je vote pour Le Pen avec deux prénoms pareils? Je fais une carrière parallèle à celle de Miteux. C'est pas croyable, vous allez voir. Je suis concierge rue de Bièvre. Lui aussi est concierge de la République. Dans quel état il va nous laisser l'immeuble, mon Dieu? J'ai été pétainiste sous Pétain, comme lui. Mendeziste sous Mendes France. Il y en a deux qui suivent, ça fait toujours plaisir. Comme lui, socialiste du 10 mai 81 au 11 mai 81. Et je serai chômeur en 88. En principe, hein. Comme on a la droite la plus con du monde, c'est pas encore dans la poche, hein. Petit intérieur. Bonjour mon bidou. Bidou. Oh, regardez-moi ça, s'il est beau. On dit que je suis raciste, mon chien est noir. Il veut manger bidou. Hein? Ah, j'ai toute ma ménagerie ici. Là, il y a mes deux serins, El Kabach et Duhamel. Puis ici, à la télé, dans le bocal, là, c'est Marie-Laure et Yves. Hongri et Mourouzi. On est tranquille avec Mourouzi, on n'est pas prêt d'en avoir un troisième. Alors, Veuve Roudy, elle a dit, il faut féminiser les mots. Alors on dira plus contre-maître, mais contre-maîtresse. Moi, je suis emmerdé avec ma nièce, qui est chasseur alpin. Comment je vais l'appeler, la pauvre petite? Et Madame Jospin, elle n'est pas dans la merde non plus, celle-là, hein? Bonjour, Madame Jospine. Oh non, écoutez, non, non, franchement. Alors, la mère Roudy, elle a dit, je veux l'égalité des sexes. Et en tant que ministre, je prendrai moi-même les mesures.
Le seul truc qu'ils aient fait de bien, c'est le secrétariat d'État aux catastrophes naturelles. C'est Haroun Taziev, d'ailleurs, qui a pris les commandes. Le gynécologue à Régine. Et Régine, elle dit toujours qu'elle perd du poids, 8 kilos par-ci, 3 kilos par-là. En 20 ans, elle a perdu un camion de Keystone, cette femme. Enfin, visiblement, elle a gardé les pneus, quoi. D'abord, il y avait le père qui était antiquaire dans une belle artère qui vendait des latours, monsieur, puis des meubles signés à des privilégiés que son fils avait pas ruinés. Ou du moins, pas encore. Qu'était fier comme Artaban de la carrière de Laurent, qui est le plus diplômé des stars de la télé, qui cause le mercredi de nos emmerdements avec monsieur Lanzi dans le rôle du clown blanc. Il cause de l'inflation, pis des restrictions. Faut vous dire, monsieur, que chez les Fafa, on ne dépense pas, monsieur. On ne dépense pas, on compte. Et puis, il y a la Françoise qui ne fait pas de façon, non, qui vient à Matignon dans sa vieille Charleston, mais crèche au Panthéon, se fournit chez Fauchon une fille à pognon, une enfant de la haute qui vit mal dans sa peau d'être riche et socialo, qui se veut près du prolo avec sa petite auto, avec ses petits marmots, avec son petit lolo. J'aimerais bien avoir l'air, mais qu'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les pauvres quand on est plein de sous. Faut vous dire, monsieur, que chez les Fafa, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On te riche. Et puis il y a Fafa, dauphin du roi soleil, qui n'a pas son pareil pour croire au Père Noël. Avec ses 39 ans, faut le voir à Matignon, causer en président, car ce charmant enfant sans plus pousser ses dents depuis que les sondages mettent François dans le potage. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Méfie-toi de François, il est trop fort pour toi. Regarde ce qu'il a fait avec le gros Monroy. On parle plus de Monroy, oui. Il a bien paressé, puis il l'a jeté quand tout ça n'était pas bon. Et puis t'as Paris, toi. Puis t'as Paris, toi. Mais pour la pêche au roi, s'il est mal paré, s'il lui faut Chaban, eh ben il le prendra. Et tant pis pour Fafa, puis y'a pas que Chaban. Ils sont tous là en rang, tous au garde à vous, pour régner un instant sur le gouvernement. Parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne renonce pas, monsieur. On ne renonce pas. Inné, jamais trop tard, monsieur, pour devenir le roi. Nous sommes actuellement chez monsieur Raymond Barre à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans sa villa Les Dauphins. J'attends l'ex-premier ministre d'une seconde à l'autre pour l'interviewer. Ah, le voici. Oh. Bonsoir, monsieur Barre. Oh. Oh, ma bille, je vous embrasse. Bah, attendez. Vraiment, ça me fait plaisir de vous recevoir.
Bernard, que oui. vous sers-je ? Un rocard. Un rocard. S'il vous plaît. Il est déjà un peu entamé. Oui, pareil. Bien tassé, j'imagine. Ah non, non, pas trop. Je vais interviewer François Mitterrand tout à l'heure. Je ne voudrais pas arriver complètement. Mais au contraire, mieux vaut que vous perdiez tout de suite le sens des réalités, mon Dieu. Oh, j'allais oublier. Puis-je vous offrir un petit tuc ? Oh, merci. J'en ai jamais vu. On les a en solde actuellement. Vous privez pas. Ah. Oh. Ah. Oh. Dites-moi, l'air de la mer a l'air de vous réussir. Ah, j'ai la forme, j'ai même l'effort. Monsieur Barr, je peux quand même vous poser une question un petit peu délicate. Allez-y, et indiscrète. C'est pour quand ? 88. Ça bouge un peu déjà ? Ah, ça bouge beaucoup, oui. Comme je suis hostile à la cohabitation, il faudra pratiquer une césarienne constitutionnelle. Alors dites-moi, sur quel fondement repose le phénomène Barr ? Mais le phénomène Barr repose sur son propre fondement. Et croyez-moi, il est bien assis. Alors c'est ce qui explique que partout où vous passiez en province, vous fassiez un véritable malheur. Mais parfaitement, je passe devant des publics en liesse, des foules éblouies, des salles ébahies. Alors à la fin de mes discours, je me lève et je bisse. Ah, je peux le signaler à mes lecteurs, ça. Donc vous bissez debout, mais devant tout le monde. Oui, bien sûr. Je bisse à Paris, à Lyon, à Marseille, je bisse partout, moi, vous savez. Même aux États-Unis ou au Japon, je tiens des conférences. D'un continent à l'autre, je n'arrête pas de bisser. Et là, en ce moment, monsieur Barr ? Oui, un petit peu. Vous êtes député de Lyon. Mmh. Quelle ville remarquable, vous savez, elle est merveilleuse. Je m'y plais beaucoup. C'est en tout cas mon opinion et je la partage. Vous serez peut-être le prochain président de la République. Oui, écoutez, soyez correct, n'est-ce pas ? Peut-être et de trop. Vous êtes quand même nombreux dans l'opposition, monsieur. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils veulent tous ma place aujourd'hui ? Ils sont au moins 5 ou 6 à vouloir se présenter. Moi, je suis suffisant. Je suis suffisant. Est-ce que vous avez changé depuis 1981 ? Non, c'est Barr maintient le cap, c'est même le seul. N'est pas né celui qui mettra Barr à bas avec la cote que Barr atteint aujourd'hui. Vous n'avez pas peur que la cote de Barr baisse, non ? Oh. Il m'a dit que vous auriez reçu M. Le Pen en catimini. Moi ? Oui. Raymond Barr. Raymond Barr, oui. Raymond Barr aurait reçu M. Le Pen en catimini. Excusez-le, mais quand Barr entend cela, il est obligé de se gausser. Devant nous, là ? Ah, je vais me gausser. Je me gausse. Oh ! Oh ! Oh ! Je me gausse. Moi, avec M. Le Pen en catimini, mais dans un hôtel de passe, pendant que vous y êtes. Un hôtel borgne, en tout cas. Mais c'est une supputation, M. Mabille. À l'indélicatesse outrecuidante à mon égard. Je vous demande pardon. Vous supputez gratuitement. Et Giscard ? Oh ben vous savez, toujours le même. Il saute de la chasse aux fêtes. Non. Ah oui, oui. Et quand il a fini, des fêtes à la chasse. Oh, sans se laver. Mais c'est dégueulasse. C'est bien les aristocrates, vous savez qu'ils descendent Louis XV. Ah bon ? Par l'escalier de service. Enfin bref, pour en revenir à M. Le Pen, je ne me vois pas, M. Mabille, avec lui, en catimini, dans l'ombre propice d'alcôves adultérines en train d'échanger des projets de viol de la République. Ce n'est pas mon genre, M. Mabille. Alors faites tout maintenant pour tenter de rehausser le niveau de cet entretien et abandonner ce salmigouli, ce cafouillis, aux radioteurs et aux scribouillards de tout poil, dignes du microcosme parisien, aura des pâquerettes les plus abominables que j'exècre. Amen. Monsieur Barr, que pensez-vous du culte voué actuellement encore au général de Gaulle ? Ah, mais pour ma part, j'y suis fort attaché. Mais quand je vois que M. Mitterrand essaie pratiquement d'enfiler l'uniforme du général aujourd'hui, dites-lui que c'est pas la même taille tout de même, c'est pas...
si l'on se rappelle qu'en plus de ça, il l'a traité autrefois de fasciste, de caudillo, de duce et de fureur, ça, le général reviendrait, il y aurait des coups de pied au culte qui ne seraient pas perdus pour tout le monde. Vous voyez, moi, je vous écoute et je vous trouve un peu pontifiant. Ah, pontifiant, maintenant. Ben, je vous remercie, c'est agréable. Pontifiant, pontifie, vraiment. Retirez cela de votre article, je compte sur vous. Bon, je le retire, monsieur Barre. C'est votre père qui aurait dû se retirer. Vous voyez, j'ai l'opinion publique avec moi. En disant que vous avez quand même tendance à vous prendre pour le messie. Mais non. Mais si. Mais non. C'est une question embarrassante. Vous vous êtes fait tout seul? Ne le répétez pas à ma femme, mais oui. Vous allez dire... Quelle souplesse. Mais non, je parle de mon intelligence. Quelle intelligence rare, extrême, n'est-ce pas? J'ai un quotient intellectuel exceptionnel. J'ai un QI unique. Gros QI, même. J'ai un gros QI. Chacun fait ce qu'il veut avec son QI, monsieur Mabille. Moi, je me suis fait tout seul. Et je vous le dis humblement, en baissant modestement les yeux, quelle réussite. Un mot sur François Mitterrand. En trois lettres? Ah non. Quelle sera l'image que François Mitterrand laissera dans l'histoire de France? Ah mais celle de la mère Denis, vous savez. Ah non, là vous devez faire erreur, M. Barr. Mais pas du tout, le parallèle est là, n'est-ce pas? Hélas, pour la France, comme cette brave femme le fit avec son linge, François Mitterrand a nettoyé le pays, il l'a rincé, essoré, chaque jour davantage, pour mieux l'étendre, et ça n'a pas fait un pli. C'est bien vrai, ça. J'ai le plaisir et le bonheur d'accueillir M. Georges Marchais, le premier secrétaire du Parti communiste français. Monsieur Marchais. Monsieur Marchais, bonjour. Bonsoir, ah non, monsieur Maboulet. Ça non, quand même. Moscou, pas comme ça, hein. Quand même. Quand même. Qu'est-ce que c'est que cette tenue-là? Bah, c'est la nouvelle tenue des journalistes de la télévision, monsieur Marchais. Ah ouais. L'information est tellement malade sur les trois chaînes que nous sommes tous comme bon, ça. Bon, dites-donc, de quoi que ça cause votre jeu de la vérité aujourd'hui? Écoutez, nous allons essentiellement parler de politique étrangère. Oui, et soyez gentil, ne mettez pas l'Union soviétique là-dedans, pas la peine. Ah. Non, parce que le Parti communiste français et le Parti communiste soviétique sont des partis frères. Oui, mais alors la France et l'URSS. Et ta sœur? Je vois pas ce que ma sœur vient non, faire. Non, ce sont des États-sœurs. Ah, ce sont des États-sœurs. Oui. Des partis frères et des États-sœurs. Ah, d'accord. Venez vous asseoir, monsieur Marchais, ici, s'il vous plaît. Oui, oui, j'arrive, voilà, sur la plus haute marche du podium. Pour une fois. Alors, vous pouvez dire bonsoir, l'émission vient tout juste de commencer. Eh bien, j'ai dit bonsoir à l'ensemble des masses populaires, des classes laborieuses, des téléspectateurs et tateuses ici réunis ce soir. Ainsi qu'à Liliane, bien sûr, qui est mignonne comme tout. Elle est là? Ben, elle est au premier rang, hein, bien sûr, comme d'habitude. Mais elle vous suit partout, ouais, alors? Oui, elle est venue me soutiendre. Elle soutient Georges. C'est ça. Et vous verriez sa gaine, mais c'est une scandale! Monsieur Marchais, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de bien vouloir vous mettre ceci, s'il vous plaît. N'exagérez pas quand même, écoutez. Sur la tête, hein? Ah oui. Bon. Oui. J'avais peur que vous me prendiez pour Chazot. Ah, non. Vous savez qu'il a été pilote d'essai pendant la guerre? Chazot? Dans une usine de suppositoires. Ouais, on l'a mis aux torpilles quand on a vu que ça marchait. Dites donc, votre émission, là, c'est desktop ou encore, non? C'est la dernière connerie que vous avez trouvée pour remplacer El Bakash. Hein? Oui, c'est encore un peu plus conclu, vous allez voir. Bon. J'ai déjà vu ce truc-là quelque part. Ça, ah, c'est possible. C'est dans le cabinet à Fitterman, je sais pas. Voilà. Ça me va, Liliane? Alors, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que j'ai sur la tête? Ben, je sais, c'est le véritomètre, hein, vous savez. Liliane m'a dit ce matin à Champigny, on habite un petit pavillon. Viendez un jour, si vous voulez. Pourquoi pas? Viendez à plusieurs, même. Hein, Liliane, qui sera bien, si le monsieur, on habite... un petit pavillon à Champigny. Et ce matin, Liliane m'a dit, tu vas faire le jeu de la vérité et tu vas avoir le véritomètre à zéro.
donc je sais qu'est-ce que c'est qu'estemporel, comprenez. Alors, monsieur Marchais, ça sert à mesurer le mensonge. Ah. Ah, si par hasard vous cherchiez à nous mentir, monsieur Marchais. Oh non, ça, on sait très bien que c'est pas le genre de la maison. Ah. On sait jamais. Si vous vouliez m'induire en erreur. Mais je vous enduirai de rien du tout, il n'y a pas de. Laisse tomber, ça va rebondir. Voici ce que ferait mon appareil, monsieur Marchais. C'est désagréable, ce machin. Marquez, vous pouvez y aller, c'est pas moi qui vais vous casser les pieds ou les oreilles avec ce machin-là. Car les Français le sachent, ma boule. Quand j'aurais aimé que vous le sachiez, d'ailleurs, encore est-il fallu que vous le suciez avant de viendre. Et qu'eux le sachiassent. Vous avez fait Sciences Po? Non. On dirait. Mais quand je viens à la TV-vision, je ne dis... que la vérité, rien que la vérité, toute la... Ah non, ça, fallait me prévenir que c'était branché, je ne marche pas. Liliane, fais les valises, allez, on s'en va. Liliane, c'est la dernière fois que vous me prenez en traite, vous, ma boule. Hein. Ça, je m'en vais, hein, vous me connaissez, moi. Allez-y. C'est branché. Posez vos questions, je suis prêt. Alors, vous êtes allé en congrès à Saint-Ouen avec mais parfaitement, camarades. Et à Saint-Ouen, il y a eu du Tintouin, mais Juquin, mot à dire... Et pour rester secrétaire général, vous savez, il a fallu quand même j'ai accu un bagage. Et tout le monde le dit, Marchais, qu'est-ce qui trimballe? Mais enfin, voilà, j'y suis, j'y reste. Monsieur Marchais, un petit mot de politique française, donc. Oui. Où se situe actuellement le Parti communiste français? C'est une bonne question. Dites donc, c'est sensible, votre appareil. Là. Ben, mes camarades et moi, si vous voulez, nous appartiendons à la majorité... Laissez-moi finir. Vous êtes encore... La majorité des mécontents. Laissez-moi terminer mes phrases. Moi, je m'en vais tout de suite. Ah non, non, non. Est-ce que vous avez su tirer, M. Marchais, au parti, les leçons qui pouvaient s'imposer après les résultats du deuxième tour des cantonales, par exemple? Écoutez, allez donc demander ça au MRG qui se réunit en congrès dans la cabine téléphonique en sortant. M. Marchais, on vous a vu à Moscou récemment. Oh, pardon. Alors, je vous demande pardon, je ne voulais pas vous faire la peine. Excusez-moi, monsieur Marchais. Tchernienko. Il est mort si vite. C'était affreux. On ne s'y attendait pas du tout. Ben non. Vous avez vu son dernier show à la télé? Avec ses boys. On aurait cru chez là au Zénith. J'ai bien connu celui d'avant, là. Andropause. Ah oui. Moi, j'avais eu l'occasion d'interviewer sa femme, Méno. Ah, ben oui, Méno. Charmante. Ben, Andropause, il m'a reçu très bien, comme ils savent au Kremlin. Il m'a embrassé sur la bouche. Il est mort 8 jours après. C'est terrible, tout ça, monsieur Marchais. Et j'ai mon truc tout mouillé, maintenant, dedans. Attendez, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Vous voulez, on doit avoir une soviète éponge en coulisses. Ah oui, avec un peu d'eau de Pologne, voilà. Non? C'est ça. Bon, allez, posez vos questions, ma boule, va. Oui, alors est-ce que vous avez des nouvelles du dissident Sakharov? Mais me bassinez pas avec Sakharov, enfin! Sakharov, il va très bien! Il va mieux que Tchernienko, je m'excuse. Je m'excuse. Je vous le fais observer, c'est tout, je m'excuse. Alors on va arriver à la question... principal, monsieur Marchais, ouvrez grand vos oreilles. Est-il vrai que le Parti communiste français est aux ordres de Moscou? Je prends le joker, là. Oh. Monsieur Marchais, c'est l'heure de vérité. On n'a pas de joker, nous. Hein. L'heure de vérité. Ben, Liliane, ben, c'est toi qui m'as dit que je faisais le jeu de la vérité. Puis elle se marre, en plus. Non, c'est l'heure. Ben, ce matin, Liliane m'a dit, même ça, c'est drôlement réchauffé, mais dans... tes petites chaussettes en fil d'Écosse, là, tes petites chaussettes, et puis retire ton thermolactyle d'amarre. Non, mais non, c'est vrai. Non, mais... Liliane m'a dit, et je voulais même la remercier, d'ailleurs. Ben, je vais le faire quand même, d'ailleurs. Merci, Liliane. Alors, c'est voilà. Pas ma... Dites, c'est pas ma question, monsieur Marchais. Monsieur Marchais, c'était pas ma question. Oui, ben, c'est ma réponse. Hein. Ah, de mieux en mieux. Moi,
j'ai compris son système. Lui, il arrive avec les questions et moi, je dois venir avec les réponses. Ouais. Je ne suis pas un imbécile. Vive les droits de l'homme! La séance est ouverte. Eh bien, mesdames et messieurs les députés de droite, mesdames et messieurs les députés de gauche, tant que maire de Paris, député de la Corrèze, cette région de la Bretagne que j'affectionne particulièrement, et en tant que président du... Eh bien, pourquoi se le cacher ? La France va mal. Et depuis quelques mois, dirais-je, en le soulignant, elle risque en permanence, je le crains, un Fabius du myocarde. Arrivé à ce point-là, ce n'est plus un président qu'il faut à notre République, mais un docteur. Moi, j'en ai deux. Le maire de Nice, tout d'abord, un très bon praticien en méthodes expéditives, fondateur d'OAS Médecins, et Claude Labbé, inventeur d'une jouvence irréprochable, la meilleure preuve est que je ne connaisse personne au RTL pour trouver la jouvence de l'abbé pourri. Eh bien, le RPR veut et peut sauver le pays. Je vous le rappelle. À cet égard, il est fondamental, et c'est clair dans notre programme, de ne pas tomber dans les outrances d'un nationalisme aveugle, un nationalisme exacerbé par les tensions actuelles, un nationalisme que Le Pen, en définitive, que Le Pen hisse au-dessus des partis. C'est trop dur. Il va trop loin. Lui qui n'hésite pas à répondre quand on lui lance « Et ta sœur ?» Elle bat le beurre, oui. Sa sœur aussi, mesdames et messieurs. Par ailleurs, en ce qui concerne l'IVG. Mais, monsieur Marchais, suivez le débat, je ne parle pas du train à grande vitesse, monsieur Marchais. Je parle de l'interruption volontaire de grossesse. Que dit Jean-Marie Le Pen, là? Merkel est le con qui m'a arraché les pages. Bon, je vais me débrouiller sans pour une fois, tant pis. Au hasard, Balthazar, pas de malaise, Blaise. Quant à l'IVG, disais-je, je regrette qu'elle soit aujourd'hui à la portée de toutes les bourses. Il faut faire des enfants sur une grande échelle. Ce qui m'a valu 6 mois dans le plâtre la dernière fois que j'ai essayé avec Lynn Renault dans le grand escalier du Casino de Paris. Il faut faire des enfants qui rejoindront le RPR et ses jeunes cadres dynamiques. Chaban Delmas, Debré, Pierre Charpie, Ponce, Labbé, Pasqua, Couve de Murville, ces perdreaux de l'année, qui ont tous au moins 40 ans. 40 ans de maison, bien sûr. Et alors là, au RPR, ce sera tout bon. J'ai une minute, monsieur Defer, je vous cède la parole et la place volontiers. J'ai entendu dire, parmi les rangs de vos amis les députés, monsieur Defer, que le RPR serait le rassemblement pour rigoler, eh bien, au cantonal. C'est déjà fait, nous l'avons montré, et aux législatives, nous allons réitérer, les législatives, proportionnellement, bien entendu, seront un test chiracien qui Chirac le dernier. Je suis sûre que vous le connaissez. C'est Guy Lafourcade.
dans le bureau de François Mitterrand à Latché. Vous voyez, vous avez là une vue du jardin du président de la République, reconnaissable à ses plantations. Un arbre, un CRS, un CRS, un arbre, un CRS. C'est présidentiel. Et alors moi, je suis en compagnie de ces deux amis fidèles et sincères. Vous les avez sans doute reconnus. Il s'agit d'Yvan Levaille et de son épouse Anne Sinclair. Ensemble, eh bien, nous attendons le président de la République. Je crois qu'il y a des choses très importantes à vous dire. Couchez, Jox. Monsieur le Président, bonjour. Dites-moi, on n'est pas en direct? Non, on est sur TF1, Monsieur le Président. S'il y a un problème, on coupe, on reprend montage. C'est ça, c'est ça. Puis-je vous demander de regarder cette caméra-là, s'il vous plaît? Celle-ci, là? Oui, s'il vous plaît, pour faire un essai, mais juste pour l'image. Hein, nous n'avons pas besoin du son. Ça ira? Ah oui, ça va être très, très grand. Bien. Allons-y. Monsieur le Président, je crois qu'on va commencer par une question qui s'impose. Je fais chier tout le monde. Ce soir, on est gâtés. On a eu fromage et dessert. C'est très copieux, hein. Oui, je crois qu'on va commencer par une question qui s'impose, Monsieur le Président. Pourquoi Latché? Parce qu'à Latché. À vos souhaits. Je retrouve mes plantations. Vous savez, ici, maintenant, j'ai planté. Attendez, c'est vous qui avez tout planté? Tout planté. Depuis 4 ans, j'ai tout planté. J'ai bêché énormément pour cela. J'ai bêché par pensée, par action, voire même par omission. Hein? Mais tout est de ma faute. J'ai bêché énormément. Vous êtes bêcheur. Très bêcheur. Gros bineur aussi. Ah. Je peux biner plusieurs fois par jour. Mais alors la nuit, vous faites quoi? Mais demandez à Daniel, je laboure. Mais vous vous occupez un peu d'autres cultures? Oui, autrefois je faisais dans le souci, après j'ai récolté des lauriers, et là maintenant je suis dans les choux. Alors vous voyez, malgré vos deux moutons et votre chien, vous m'avez l'air bien seul, me gourge. Pardon? Je dis, vous m'avez l'air bien seul, me gourge. Oui, du moins l'asperge. Ah. Vous savez, ici à Latché, c'est un lieu de séminaire. C'est ici que je retrouve mes fidèles, ceux qui croient encore au socialisme. Il y en a, et il en faut. Car, voyez-vous, mes bien chers frères, en ce 4e dimanche après la Pentecôte, le Seigneur doit venir... Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, j'ai été élevé dans une école libre, alors parfois ça revient. Ah oui. Enfin, disons que je retrouve essentiellement Mermaz et Poprenne. Oui. Poprenne et Mermaz, bien sûr. Et tous les autres, tous les Poprenne, tous les Mermaz. Et ensemble, nous évoquons les points positifs acquis par la gauche depuis 4 ans. Car gauche nous sommes et gauche nous resterons. Alors vous nous parlez de points positifs acquis par la gauche, Monsieur le Président. Peut-on savoir lesquels? Dans ce propos et dans mon esprit, il n'y a aucune exclusive. Je fais donc allusion à l'ensemble des points positifs acquis par la gauche depuis 4 ans. Ah oui. Non, excusez-moi, j'ai mal formulé ma question, Monsieur le Président. Je voudrais dire, quels sont ces points positifs acquis par la gauche depuis 4 ans? Quels sont-ils? Vous avez fait de la comptabilité, non? Non. Je vais aller au tableau vous expliquer. Je vais éviter le Connemara. Si vous avez un moulin à café, je vous en donnerai pour moudre. Mmh, c'est gentil. Hein. Quand on dit que Tritz fondre. Alors, nous avons ce tableau ici, avec donc les 4 points cardinaux. Je le dis pour situer cela géographiquement, cette ligne médiane verticale transversale, hein? Et ces deux tableaux. C'est ça la comptabilité. Nous avons ici le passif. Le passif qui est donc à... Qui est à l'est. À droite.
Silence dans le fond, là. Oh. Ça suit dans le fond de la classe. Nous avons ici l'actif. L'actif. L'actif qui, lui, est un... Alors, lui est à l'ouest, alors, là. À gauche. On reprend. Nous avons ici le... Le passif. Passif. Il paraît que quand on a marché dedans, ça porte bonheur. Le passif qui est... À droite. À droite. Ici, l'actif qui est à... À gauche. Bien. Dans le passif, on a mis... On a mis... Mitterrand. On a mis l'héritage. C'est pour ça que les comptes sont compliqués, on a mis l'héritage dans le passif. En revanche, dans l'actif, on a mis... On a mis... On a mis... Les points positifs que je viens d'évoquer devant vous. Alors, je ne sais décidément pas poser les questions, Monsieur le Président, je vous prie de m'en excuser. Non, je voulais dire, pouvez-vous nous donner des exemples de points positifs acquis par la gauche depuis 80? C'était ça la première question, des exemples. Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. Est-ce que vous pouvez nous en donner? Écoutez, mon vieux, moi je viens en week-end ici me reposer. Attali n'est pas là, j'ai pas mes dossiers, moi je... C'est les points positifs, pour être clair, c'est tout ce que la gauche a fait de bien... En 4 ans. Non, mais après, alors, peut-être pas tous les exemples de points positifs, mais quelques exemples de points positifs, Monsieur le Président. J'insiste. Que la gauche aurait acquis depuis 80 ans. Des exemples. De ce qu'on a fait de bien en 4 ans. Oui, c'est ça, oui. C'est, je l'ai sur le bout de la langue, en plus. Le point positif. J'en ai un. Ah. Souvenez-vous qu'avec Giscard, on a connu l'élitisme avec les nouveaux philosophes, les nouveaux romantiques, des mouvements marginaux qui s'adressaient à l'élite. Moi, j'ai voulu démocratiser. On a les nouveaux pauvres maintenant. Oui, alors donc je voulais revenir sur un voyage que vous avez effectué en Alsace, à Strasbourg, Monsieur le Président. Mais non, c'est pas la peine. Ah si, on vous a vu à Strasbourg, en Alsace, oui, vous y êtes je allé sais, en voyage mais non. Officiel. À Strasbourg est en Alsace, Monsieur oui. le Président, et vous y êtes allé. Et j'ai une question intéressante à vous poser sur ce voyage à Strasbourg, en Alsace. Dites donc, qu'est-ce que vous faites à TF1, vous? Ben, je suis pigiste au journal, Monsieur le Président. Pigiste? Ah ben, c'est de mieux en mieux. Félicitations, Monsieur Bourges. Maintenant, on envoie les pigistes interroger le chef de l'État. Vous savez, vu votre dernière cote de popularité, les autres ne veulent plus vraiment se mouiller, Monsieur le Président. C'est ça. Vous avez la carte du PS? Ah ben oui, sinon je ne serais pas à TF1, Monsieur le Président. Oubliez l'Alsace, hein? Bien, j'oublie l'Alsace. Voilà. Mais j'invente quelque chose. Oui, vous avez cette caméra-là qui est sur vous, allez-y. D'accord. Monsieur le Président, depuis que la France, votre France, oui. votre belle France, oui, j'ai compris, ma France, peut s'enorgueillir d'avoir à sa tête un homme tel que vous, Monsieur le Président. Oui. Un homme de votre classe. Bien. Un homme de votre trempe. Très bien, oui. Un homme de votre tempérament, un homme de votre nature, un homme de votre poitrine. Ah, de votre envergure, pardon. Un homme de votre envergure. Un homme de votre chapeau. Intelligence. Ah, de votre intelligence. On sent bien, Monsieur le ah Président. Ah oui, ça, on sent bien, oui. Ça sent pas la rose, pour une fois.
On sent bien que les rapports entre votre peuple et vous-même ont évolué. Chérie, je n'aime pas me vanter. Oh. Oui. Je n'aime pas me vanter. Oui, c'est possible, monsieur le président. Dites-le vous-même. Je ne vais pas me vanter de ne pas me vanter. Allez-y. Je n'aime pas me vanter. Oh. Ça va pas? C'est moi qui n'aime pas me vanter. C'est vous qui le dites. Ça tombe toujours. Françoise Boulin, oui. Un clap. Vous n'aimez pas vous vanter, première. Allez-y. Vous n'aimez pas vous vanter, monsieur le président. Vous avez raison de le souligner. Et lorsque je m'en vais en province, je vais visiter la France dans les moindres recoins de cette petite ruelle. Je n'aime pas me vanter, vous le disiez, mais parfois il y a des dizaines de Français qui spontanément, comme ça, viennent à ma rencontre. Non. Parfois deux, trois dizaines. Oh. Des gens qui crient leur nom de famille haut et fort sur mon passage pour que je m'en rappelle au prochain voyage. Salaud, ordure, vendu, canaille, escroc, pourri. Tous ces patronymes qui fleurent bon la France. Ah, oui, vive la France, vraiment. C'est le contact. On l'a, on l'a pas, ça ne s'invente pas. Ben, ce qui est pourtant curieux, c'est que les gens disent de vous que vous êtes un homme secret, un homme que personne ne connaît réellement. C'est vrai. Moi-même, je ne connais pas très bien. Tiens, vous me demanderiez ce que je vais faire pour la France demain. Demain dimanche. Demain dimanche. Qu'est-ce que je vais faire pour la France? C'est remarquable, hein, c'est fantastique. C'est l'aventure, mais c'est le... Chaque jour, c'est nouveau, c'est l'expérience socialiste. Vous voyez, c'est comme aux Galeries Lafayette, à chaque instant, il se passe quelque chose. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'opposition critique beaucoup vos voyages à l'étranger, monsieur le président. Oui, mais ça, vous savez, j'ai toujours aimé voyager. Même ici, dans ce bureau, dès que j'ai 5 minutes devant moi, c'est plus fort que moi, hop, je voyage. Quant à l'étranger, j'ai un avantage certain sur mes prédécesseurs, c'est que moi, monsieur Mabille, je suis polyglotte en plusieurs langues. Pourquoi cet attachement présidentiel aux moutons? Ça, vous savez, pendant 23 ans, il a fallu que je lise mes discours à haute voix. Un public, j'étais dans l'opposition, hein. N'oubliez pas, hein. Il me fallait des spectateurs attentifs. J'ai trouvé ça. Vous trouvez pas qu'on dirait qu'ils viennent de lire le Nouvel Observateur, là? Vous savez, je connais bien les moutons, et c'est indispensable pour gouverner la France. Oh, soyez plus clair, quand même. Oh, c'est très clair. Le gouvernement de la France, c'est 2 commandements essentiels. 1, le maniement du troupeau. 2, l'art de la tonte. Oui. Il n'empêche que nous comptons quand même 2 800 000 chômeurs. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous en êtes-vous à 27% de Français satisfaits de votre politique? Encore? Monsieur le Président, nos usines ferment les unes après les autres. Et ça, mon vieux, c'est pas nouveau, hein. Ça date du 10 mai 80 au soir. Souvenez-vous, ce soir-là, de nombreux orages se sont abattus sur l'ensemble des régions de notre pays, ici en Alsace, en Lorraine, sur la Côte d'Azur, la Vendée, l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, la Bretagne et la Normandie. Vous n'avez pas la Nouvelle-Calédonie, ici, là? Ici, on a tout. Ah oui. On a même l'ancienne. Alors, le chômage, demain, je ne sais ce qu'il sera. En tout cas, c'est la Saint-Norbert et le lever du soleil est à 5h45. Tout de même, monsieur le président, vous n'entendez pas votre peuple qui grogne, qui manifeste, qui rouspète, ça va pas bien. Il n'y avait qu'à réfléchir avant. Vous gardez le sourire. Oui. Oui, parce que... Vous savez, 86, c'est pas fait encore. Tout un tas de possibilités.
ça fait à moi. Et il y en a une qui m'amuse d'ailleurs. J'ai reçu la proposition ce matin au courrier. C'est une offre de rachat de l'État français pour un franc symbolique avancé par l'État, remboursable sur 30 ans à Bernard Tapie. Ça explique votre mine rêvée. C'est un spécialiste des faillites. Je pense qu'il devrait faire l'affaire. Excusez-le. Alors c'est quoi ça encore? C'est mon beau-frère. Oh, nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si vous y tenez autant que moi, prenons rendez-vous un jour. N'importe où, je promets que j'y serai sans faute. À Noël comme à la Pentecôte, en Laponie comme à Tombouctou. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, j'y tiens beaucoup. Nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde est petit, profitons-en. Si votre chemin passe par le mien, ma roulotte croisera la vôtre. Le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut les déraper. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. Fais bien les choses, surtout quand on peut les déraper. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. Doo doo doo.